Salut, je viens vous prévenir que dans la vidéo il y a un petit problème où en fait dans le son du jeu vous avez très faiblement ma voix en plus de ma voix que vous entendez grâce au téléphone. Donc vous avez la voix en double. Donc c'est juste pour prévenir si jamais vous constatez ça et que ça gêne un petit peu. J'en suis désolé. Bon, la voix est vraiment très faible par rapport au son du jeu, mais sinon j'en suis désolé. Et donc voilà, donc c'était juste pour dire ça. Donc sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Arcbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pas Minecraft. Là, on est sur le jeu Rogue Legacy, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et là, c'est là, du coup, quasiment la première fois où j'essaie de faire une webcam comme ça, avec en même temps un jeu à côté. Donc, si au cours de la vidéo, il y a quelques moments qui sont dérangeants avec la caméra, bah, vous n'aurez pas le visuel de la caméra. Du coup, en haut ou n'importe où sur l'écran, en fait, vous l'aurez pas. Parce que du coup, je voudrais pas que ça gêne beaucoup trop l'écran, voilà. Sachant que je sais pas trop gérer cette caméra, donc ça servirait pas à grand chose en plus. Donc voilà, et pour le moment, j'ai pas encore mon trépied, donc là, j'ai juste un trépied. Enfin, si, j'ai un trépied là, mais j'ai un trépied pour téléphone en fait. Hop. Où en fait, on peut l'accrocher un peu n'importe où. Et du coup, je pourrais l'accrocher en haut. Au-dessus de moi du coup et de mon PC tout simplement. Par exemple à ma lampe ou un truc du genre pour faire des vidéos comme ça facecam en plus. Ou entièrement facecam ou tout simplement avec le visuel d'un jeu juste à côté tout simplement. Donc là voilà. Donc dans le trépied il manque juste un élément. En fait c'est l'adaptateur pour le téléphone, donc c'est pour tenir le téléphone parce que là c'est pour GoPro pour le moment que ça fonctionne, mais pas pour téléphone. Bon, je vais arrêter l'introduction parce que ça va être beaucoup trop long comme d'habitude en fait. Donc bah là, là je suis sur une ancienne partie, mais du coup je vais créer une nouvelle partie tout de suite. Donc c'est parti. Donc nouvelle partie, c'est tab, je pense. Retour à l'écran titre, hop, voilà, confirmé. Donc il y a plusieurs langues pour le jeu. Donc on a, voilà, échappe pour changer de profil, préparer un nouvel héritage. Voilà. Donc je sais pas s'il y a le son d'ailleurs. Je vais mettre mon casque en plus. Je vais voir s'il n'y a pas le son du coup. Ah. Pas si vous entendrez le son vous aussi. En tout cas, vu que ça sera séparé entre le micro et puis le jeu, bah je pourrais mieux régler que les autres fois, comme la dernière fois avec le jeu Minecraft qui était bien trop fort et que j'ai réglé depuis. Mais je ne suis fidèle qu'à moi-même. Ah ok, faut le contrôler là. Développé par Celor. Peut-être le mettre moins fort quand même. Voilà. Déjà, j'adore la musique. Perso. Appuie sur Space pour sauter. Oh, on peut casser les statues, c'est vrai. Ça fait partie du décor. Hop. Donc, ce jeu, je l'ai dans l'œil depuis depuis quelques temps. Ça fait un an à peu près, mais j'ai quasiment jamais joué. J'ai juste joué chez un ami avant. Space pour sauter plus haut. C'est tellement bien l'animation comment c'est fait là. D pour attaquer, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Production en bas et tout. Allez, très bien. Allez, meurs, nickel. Hop. On a les graphismes, Glober Kotaki. DMP récupéré. Maintenez. Et appuyer sur Space pour descendre. Oh! C'est pour ça que ça fonctionnait pas! Oh, je croyais que c'était la touche qui fonctionnait pas. Ok. D'accord. Bon bah, ok. C'est mieux comme ça du coup. Là, c'est beau forgeron. C'est nickel ça. Et ouais, là, on peut passer en dessous, on peut remonter. Oh,
maintenez et appuyez sur D pour une attaque basse. Ah ouais, ça. Ouais. Ce que j'ai déjà testé, c'est pour ça. Comme ça, voilà, on saute. Je vais juste peut-être récupérer la monnaie là-bas. Donc, tac. Merde. On hop, yes. Merde, qu'est-ce que je fous? Non! Putain, attendez. Hop. Yep. Nickel, bon, ok, ça a donné aucune pièce. On va retenter, tac. En même temps, ça nous entraîne à faire cette manip. C'est plutôt cool. Nickel. Hop, on va refaire ça. Et même juste autre cette musique je crois on n'entend pas dans le jeu, bah on entend d'autres musiques qui sont vraiment bien, l'atmosphère. Hop. En vrai on gagne pas de pièces là, donc je pouvais ne rien casser, mais bon. Ah, il y a peut-être un boss ou un truc du genre. Pour attaquer. Ah ouais, faut pas tuer le. Ils veulent pas qu'on tue le roi. Non. Elle contrôle. Merde, non, je voulais pas ça. Enter pour quitter. Yep. Ah bah si, en fait, c'était elle contrôle. Ok. Tab, du coup. Sachant que là, on n'a pas le contrôle de la souris en fait. Donc là, on a juste ce que vous voyez là. Donc résolution, bah moi j'ai essayé d'optimiser le truc pour mon PC. Plein écran, ok, volume musique et tout. Volume effet activé, descente rapide, non. Zone morte de joystick non plus. Utiliser manette d'input. Je sais plus trop, donc hop, modifier commande. Donc là le haut c'est Z, donc c'est comme dans une fois que j'ai fait. Le bas c'est U. D'ailleurs c'est peut-être un peu près. Voilà, je mets S, c'est plus simple. Non, je crois que en fait le bas, on peut essayer W. Ouais, parce qu'en fait il faut que ce soit assez proche et que je puisse attaquer après, donc S c'est mieux. Gauche, on a le 1 et tout, donc on va être en haut. Faut que je me rappelle, après sinon j'ai les flèches là sur mon clavier. Attaque D, X, sauter. Ok, ensuite on a spécial CW qui n'est pas utilisé. Accélération gauche. Spécial, je vais peut-être mettre. Non, ouais. Ok, spécial, je mets le A, je pense. Nickel, parce que du coup c'est assez proche de mes touches. Ouais, le E il est déjà utilisé. Jeter un sort. Accélération droite. C'est F. On peut mettre un D ou pas, non. Je vais essayer F. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Volume musique, c'est pas mal. On va laisser comme ça. De toute façon, je sépare le volume du. Vu que j'ai pas de webcam sur mon PC en fait. C'est pour ça que d'ailleurs vous voyez comme ça et pas comme si j'étais en face du PC. Que j'ai pas de webcam sur l'écran de mon PC, bah voilà. Du coup, ah, il y a toujours pas le forgeron, et du coup, on peut s'entraîner pour essayer de taper comme ça. Comme ça. Ouais, essayer de rebondir comme ça. Ah, j'ai pas réussi. Ça serait trop drôle de faire un truc pour essayer de rebondir plus. 1, 2, 3. 4, 5, merde. 4. J'ai réussi à faire 4. Attends. Ah, il a fait ouille. Ça fait mal. Essayez encore. Ça fait mal. Vous êtes fou. Stop. Vous êtes fou. La bête. What? Pourquoi la bête? Mais pourquoi? On sait. Mais quel rapport? Et là, ouais, il y a un salaud de monstre qui va apparaître après. Du coup, je pense que je vais faire jusqu'au début de la cinématique, le début du jeu. Voilà, la première partie.
Et si elle dure vraiment longtemps, je la partagerai en plusieurs épisodes. Parce que je préfère faire ça tout simplement. Oh yes, j'ai pas vu la chaise. Entrée du journal 1. Traître, un assassin a blessé mon père, le roi. Ah bah c'est moi. Pour ramener l'ordre dans le royaume, il a envoyé mes frères et sœurs et moi dans une quête pour le sauver. Ensemble, nous allons traverser les bois hantés et pénétrer dans le château Hamsal. Ce château hanté se dresse à l'orée de la forêt depuis des temps immémoriaux. Il renfermera un objet capable de sonner tous les mots. Ah ok, ah ouais. Ce soir, je prendrai de l'avance sur mes frères et sœurs et entamerai ma quête pendant qu'ils dorment encore. Échouer lors de cette quête serait faire honte à mon nom. Ok, afficher la carte à tout moment. Vous êtes ici et tout. Ouais. C'est où le truc? Vous êtes ici? C'est le point blanc? Ok. Position du boss, c'est en rouge. Coffre magique, coffre à ouvrir. On a le truc. Ah ouais, j'avais pas remarqué, on a le truc important. On a coffre à ouvrir, coffre magique. Qui pourrait être cool. Ok. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Tac. Pas trop ce que c'est. Merde, ça s'est sauté, c'est vrai. C'est F, jeter un sort, je crois. Mais j'ai pas de sort. C'est selon ce que j'ai à droite, en fait, je crois. Et à droite, donc là, je vais en dessous pour si jamais je sais pas. Erreur. À droite, j'ai pas grand chose. Ouais, si on regarde les contrôles. Oh, c'est cool, ça met en pause et qu'on va avoir les contrôles. Hop. Donc, si on regarde les contrôles, on a attaque D, sauter, spécial A. Accélération gauche C, accélération jeté sort E. Non, ça ne fait rien. E. Ah, c'est ce que j'ai en haut. Oh, c'est nickel. Et est-ce qu'on peut l'orienter vers le haut? Non, c'est que devant. Okay. C'est que devant, je vois bien. Donc là. Hop. Merde, qu'est-ce que... Attendez. Là, go. Hop. C'est un peu galère quand même. Oh, non. Ok, yes. Non. Ok. Non plus. J'ai 100 de vie. Nickel. On a tué notre premier monstre. Donc sur la carte... Ouais, qu'on voit d'ailleurs en haut un peu. Pour le moment, on n'a rien de spécial. Donc là, hop, on va en bas. Ah, merde. Non, 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 ouais, faut faire gaffe. Ah ouais, il y a plein de mobs. Oh putain, il y a des piques. Il y a trop de mobs pour moi. Là, putain, yes. Ça j'ose pas pour moi pour essayer de tuer les monstres. DMP récupère, ok. Téléporteur. Où est-ce que j'ai envie de me téléporter? Non, c'est bon. Quoique. Attendez, je crois qu'on est déjà là en fait. Il me semble. Non, ok. Ah merde. Ok, nickel. On a téléporteur pour aller d'une position à une autre. Ok. Parfait. Oh putain, on est mort. Terre des ténèbres. Putain, j'ai jamais vu ça même en jouant avant. Heureusement que j'essaie de faire des trucs, je fais des trucs explicatifs en plus. Ah, c'est en dessous. Oh, mais c'est ça. Putain, je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça. Ok, c'est pour ça qu'en plus ils peuvent venir du sol peut-être. Les monstres. Non, attends, vas-y, vas-y, fonce, 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 fonce. Ouais, vas-y, fais ton attaque. Fonce. Non. Putain, non, je suis mort. Je voulais redescendre en bas, mais... Merde, j'ai oublié de laisser appuyer la touche. J'ai tué 4 mobs. Évitez chaque rap quand ils reviennent vers vous pour maximiser leurs dégâts. Surly. Dernière parole.
Les chakrams, quand ils reviennent vers vous, c'est quoi les chakrams? Je sais pas exactement ce que c'est en fait. Merde, c'était marqué a été tué, putain, a été tué par je sais pas quoi. Bon, je vais remonter, de toute façon, là c'est la fin de l'épisode 1. Donc ça va, ça devrait être. J'aurai le temps de regarder le montage pour voir le conseil en entier et pouvoir continuer la prochaine fois. Donc voilà. Donc d'ailleurs, en même temps, je vous préviens que cette fois-ci, là aujourd'hui, l'épisode de Vanillax a été changé du coup par cet épisode-là parce que Vanillax, j'ai tenté un truc mais c'était brouillon comme possible. Donc voilà, bon ça je voulais le faire depuis vraiment pas mal de temps mais du coup ça m'a permis de le faire quand même maintenant en fait, tout simplement. Et du coup j'ai bien aimé ça, donc voilà. Donc on va faire une série là-dessus sur Rogue Legacy. Donc c'est un jeu payant sur Steam il me semble, donc si on va voir la page de Steam, hop, donc on sort du jeu, Steam, si ça veut bien, voilà Steam, voilà. D'ailleurs là j'ai toujours la musique du jeu en fait, mais à la limite je l'enlèverai ou sinon je vais la garder, elle est bien. Magasin, hop, on a exploré du coup, et là on a du coup Rogue Legacy qu'on va pouvoir voir, combien il coûte. Steampowered.com slash explore. Ça met un peu de temps quand même. Mais bon, on va quand même le trouver. Ok, alors. Hop, Rogue Legacy. Hop, 2,30€. Voilà, donc c'est un jeu pas trop cher et qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je sais pas si je vous donne le lien, ça va pouvoir fonctionner. Donc, je vais essayer de vous donner le lien dans la description et voir si vous arrivez à y accéder, vous me préviendrez à la limite. Et je testerai aussi moi du coup. Voilà. Donc voilà. Ah, un truc nominé pour les Steam Awards. Donc, je verrai pour voir si je peux pas essayer de le nominer. Les 10. Ah putain. Ah ouais. J'avais pas vu qu'il y ait tous ces types de plateformes. Bon, on va pas essayer. On va essayer de passer au spoil, mais bon, c'est juste un résumé rapide qui est là. Marcher à l'envers. Ça a l'air franchement plutôt cool, ça. Dès qu'on montera en niveau, on pourra faire tout ça. Je vais retourner, je suis sur le jeu, du coup. Et du coup, voilà. Donc là, c'est normal, écran noir, du coup. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, moi plutôt. Moi, ça m'a plu, comme j'ai dit, le jeu en tout cas, et de toute façon, c'est un jeu que j'aime bien. J'ai pas joué forcément hyper souvent non plus, mais je l'aime bien. Pour son côté, en fait, on doit retenter à chaque fois, et puis le donjon, en fait, et puis acheter à chaque fois son équipement comme ça, etc. Donc, c'est plutôt cool. Bon, j'avais pas vu les parties pour les trucs des potions et tout ça, j'avais pas fait en profondeur. Bon, excusez-moi, je regardais l'écran. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Darkbo. Et du coup, pour la cam, si je ne l'ai pas mis tout au long du jeu, vous la verrez là à la fin. Voilà. Donc c'était Darkbo. Tchuss!